Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce pod. Nous sommes de retour pour la suite de ce que nous avons commencé, des nouvelles révélations. Révélations sur le coiffeur sorcier. Ah, il y a beaucoup de coiffeurs sorciers, sérieux? Un truc hors du commun. Mais qu'est-ce qu'il faisait en réalité? Écoutons ça. Et je vais raconter l'histoire d'un coiffeur qui prenait la chance de ses clients. Alors, l'histoire se passe au Gabon, dans un quartier que je vais taire le nom. Ce jour-là, j'étais avec une amie et mon amie là avait un enfant albinos. C'est comme ça que nous nous sommes rendus chez le coiffeur pour pouvoir coiffer son fils. Et il y avait, arrivé au salon là-bas, il y avait deux clients avant nous. On était là, on a attendu. Après, c'était maintenant le tour de notre fils là. Quand on est arrivé, on a remarqué d'abord que le salon était sale, il y avait plein de cheveux au sol. Donc, il poussait seulement les cheveux à côté pour pouvoir ramasser après. Donc, après, c'était le tour de notre bébé là. On l'a fait asseoir, il avait à peine 2 ans. Il a commencé à le raser, le coiffer et tout. Quand il a fini, ma copine s'est levée. Elle a commencé à ramasser les cheveux de son fils. Le coiffeur se lève là-bas. Il est fâché. Madame, laissez les cheveux là. Madame, je vous dis de laisser les cheveux. Il dit, oh, c'est comment? Je ramasse les cheveux de mon fils. Je peux laisser les cheveux de mon fils ici. Mais pourquoi? Pourquoi vous ramassez les cheveux? Ma, c'est pas la bagarre. C'est que la dame ramasse, ma copine ramassait les cheveux. Et moi, j'ai ramassé de l'autre côté aussi. Et non, le gars s'est mis dans une colère qui n'a pas de nom. Il a commencé à nous taper dessus. Jusqu'à ce qu'on a même pas pu, on ne l'a même pas payé. Et nous sommes sortis de là-bas en catastrophe. En ramassant les cheveux de notre fils. C'est à partir de là que les rumeurs ont commencé à courir, que le gars fait des pratiques avec les cheveux de ses clients. Donc, ça a attiré mon attention et je me suis souvenu de ça tout à l'heure. Donc, c'était pour attirer l'attention des uns et des autres lorsque vous vous rendez dans un salon. Si vous pouvez ramasser vos cheveux ou à défaut, vous demandez à ce que le coiffeur balaye d'abord les cheveux qui sont là. Nous, la chance qu'on avait, c'est parce que l'enfant était albinos, donc facilement on pouvait faire la différence des cheveux. Voilà, c'est Ou à ça. défaut, faites venir le coiffeur chez vous. C'est vrai, ça coûte plus cher, mais c'est plus sûr. Il vient chez vous, vous Oui, observez comment il coiffe. Il nettement mieux. finit, il prend seulement sa tondeuse, il part comme il est venu. Ou bien vous prenez votre tondeuse vous-même, il vient, il coiffe seulement, il finit, il quitte. Parce Voilà, que c'est vraiment. ça. Le dehors est vraiment grave. Voilà, Mais c'est ça. waouh, le dehors est terriblement grave. Hein. Ce qui se passe dehors est terrible. Ah! Ok, écoutons encore le témoignage hors du commun. Donc c'est du vécu, c'est une amitié qui s'est brisée tout bêtement. Bon, moi j'avoue qu'à l'époque, je fréquentais déjà tout ce qui est marabout et homme mystique et tout ça pour mes affaires personnelles. Et donc j'ai plutôt, puisqu'il est encore en vie, j'ai un ami qui était à l'époque très amoureux d'une fille et la fille ne voulait pas de lui. Donc il vient m'en parler et il me dit voilà, il y a telle fille qui je veux vraiment d'elle mais elle ne veut pas et tout ça, je sais pas quoi faire et tout ça. Donc moi je lui dis mais mon gars, moi je connais un moyen pour que la fille soit dans tes bras et ce sera très rapide si tu veux. Il me dit d'accord, il n'y a pas de souci. Donc c'était un ami de longue date mais il ne connaissait pas ce côté-là de moi. Donc je l'emmène chez un de mes gars. Bon, ça c'était à l'époque, hein, je tiens à préciser que je ne le fais plus aujourd'hui. Je l'emmène chez on va l'appeler un de mes marabouts. Et on entre dans la pièce et on lui explique, enfin moi j'explique le problème au marabout. Mais je vois que l'ami est choqué, il est très mal à l'aise.
Je sens qu'il n'a jamais été dans ce genre d'endroit-là. Et il me dit, mais c'est pas possible. Quand on te voit, on peut pas imaginer que tu fréquentes ce genre de lieu et tout ça. Je lui dis, mon gars, chacun a ses secrets. Moi, je t'ai emmené ici pour un but. Donc, faisons ton travail et voilà. Donc, le marabout commence son travail. Ça s'est fait en une nuit, c'était pas très long. Il commence son travail. Il mélange les ingrédients et il prend une petite bouteille de parfum qu'il l'ouvre et il sort une pipe. Donc il nous demande, lui il commence à fumer la pipe. Chez lui c'était un petit coin, une chambrette même, très petite. Donc il demande à mon ami de fumer la pipe et toute la pièce est emplie de fumée. Il prend la bouteille dans ses mains, la bouteille de parfum, et il commence à réciter une incantation dans une langue que moi je ne comprenais pas. Et on voit dans la pièce, la fumée forme une sorte de tourbillon et la fumée entre dans la bouteille de parfum. Et là, mon ami est en panique, panique totale. C'est à la limite, si je ne l'avais pas retenu, je crois qu'il serait sorti en courant. Donc j'ai essayé de le calmer, je lui dis, mon gars, calme-toi, ce sont des choses, bref. Et donc quand il termine le rituel, il tend la bouteille à mon ami. Il dit, bon, voilà ta bouteille et tout ça. Une fois que tu iras voir la fille, tu t'asperges juste 2-3 gouttes, pas beaucoup. Et tu verras le résultat. Et mon ami refuse de prendre la bouteille. Il me dit, je suis pas capable de la prendre, je vais la prendre plus tard. Je dis, mais mon gars, tu as déjà payé, le travail a été fait. On t'a donné la solution. Il me dit, non, mais vraiment, je peux pas supporter ce genre de choses et tout ça. Prends la bouteille, tu me la donneras plus tard. Je dis, d'accord. Donc je prends la bouteille et je la mets dans ma poche. Et on sort de là. Il est assez tard. Et il me dit... ça m'a trop fait peur ce qui s'est passé. Je comprends pas comment toi tu arrives à fréquenter ce genre d'endroit. Donc j'essaie de le rassurer tout ça. Bon, parce que moi quand j'y allais c'était jamais pour faire du mal aux gens, c'était pour mes propres histoires à moi. Voilà, je vais pas rentrer dans les détails. Et donc l'ami me dit, mais tiens, c'est vrai qu'il est tard, mais si on allait voir la fille pour voir si le truc marche vraiment. Donc je lui dis, ok, d'accord, pourquoi pas. Donc on y va. On arrive chez la fille, justement elle était là et elle était avec sa sœur et tout ça. Alors, je n'avais pourtant pas appliqué ce parfum-là, mais quand on est arrivé chez la fille que je ne connaissais pas, je ne l'avais jamais vue, elle était avec sa sœur, et la fille n'avait aucun regard pour mon ami. C'est-à-dire que c'est comme s'il n'existait pas. Elle est venue, elle a commencé à m'enlacer, à me caresser, c'était très bizarre, moi-même j'étais choqué. Sa sœur venait, fait la même chose. Oui, reste ici, passe la nuit avec nous et tout ça. Ça devenait tellement, tellement bizarre que j'étais obligé, moi, de prendre la fuite. Parce que je lui ai dit, bon, écoute, nous, on va partir d'ici. Je vais te rendre ta bouteille parce qu'apparemment, le travail que le type a fait, il faut que ce soit toi qui aies la bouteille puisque c'est moi qui l'ai. Ça, je pense que ça crée un problème. Quand on sort de chez la fille, mon ami est fâché. Il dit, oui, c'est moi qui ai payé, c'est moi qui ai ceci. Comment tu peux me faire ça? Je lui dis, mais mon gars, attends. On t'a remis la bouteille. Tu n'as pas voulu la prendre. C'est moi qui l'ai. Ok, si tu veux ta bouteille, tu la prends. Il me dit non, de toutes les façons, j'ai pas envie de dormir avec ça. Demain, tu vas me la donner. Je dis d'accord, il n'y a pas de problème. Donc en rentrant à la maison, je me dis, bon, mais pourquoi pas, je vais essayer d'appliquer un peu de ce parfum-là sur moi. Alors c'était une erreur de ma part, je pense. Alors j'ai appliqué quelques gouttes et ça sentait très bon, ça sentait la vanille. J'arrive à la maison, à l'époque j'habitais encore en famille, donc il y avait mes tantes qui étaient là, ma grand-mère, mais il y avait vraiment beaucoup de monde, je ne sais même plus pourquoi ce soir-là. Mais dès que j'ai franchi la porte de chez moi, toutes les femmes se sont ruées vers moi. Oui mon petit, viens t'asseoir ici, on va te faire les ongles, on va te faire les cheveux, elles ont commencé à me caresser et moi j'ai flippé. Je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que cette bêtise-là? Voilà cette bouteille qui commence à attirer même des femmes de ma famille. Donc je vais m'en débarrasser. Je prétexte quelque chose, je prends la bouteille et je vais la jeter dans les toilettes. Donc le lendemain, mon ami vient, il réclame sa bouteille. Je lui dis, mais ta bouteille, je ne l'ai pas. Je l'ai jetée parce qu'il s'est passé ceci et cela. Donc il était très énervé et il me demande un remboursement. Je lui dis, il n'y a pas de problème, le travail n'avait pas coûté cher. Je crois que le marabout avait demandé peut-être quelque chose comme 10 000 francs CFA, quelque chose comme ça. Donc je rembourse. Et il me dit, bah écoute, de toutes les façons, on a repris rendez-vous avec les filles pour aujourd'hui. Moi, je vais retenter ma chance sans la bouteille. Je ne pense même pas que ce soit cette bouteille-là qui ait fait que toi aussi, qu'elle se soit intéressée à toi. Je lui dis, d'accord, il n'y a pas de problème. Et on repart voir les filles ensemble.
On repart. Bien que je m'étais débarrassé de la bouteille, quand on arrive chez les filles, ça crée le même effet. Et pour vous donner plus de détails, c'est-à-dire que ce parfum-là était tellement fort qu'il restait sur la peau pendant des jours et des jours, même après avoir pris un bain ou tout ça, l'odeur était toujours là. Donc ça a duré peut-être 3 ou 4 jours. Et partout où je passais, les filles n'arrêtaient pas de me suivre. C'était insupportable. C'est vrai que au début, c'est très agréable, ça fait plaisir et tout ça. Mais quand on commence à vous suivre en meute comme ça, ça commence à vous déranger. Et donc, depuis ce jour-là, bon, enfin, il s'est vraiment mis en colère contre moi. Il ne m'a pas adressé la parole pendant près de 6 mois. Et voilà. Mais un jour, il revient, il me dit, après qu'on se soit réconcilié, il me dit, non, mais ton truc, il est vraiment efficace et tout, j'ai bien réfléchi. Je voudrais repartir, refaire la même chose. Et ce jour-là, je lui ai dit, non, c'est pas possible. De toutes les façons, le type était décédé par la suite. Et depuis, bon, on n'a plus jamais été vraiment amis, mais voilà, ça, c'était pour la première petite histoire. D'accord, merci beaucoup pour l'histoire. D'accord, merci à vous. Bonsoir, l'homme de l'ombre. Bonsoir, DMG, comment tu vas? T'as dit quoi dans toi? Ça va, chez toi? Très bien, merci. Et le Cameroun, ça se porte bien dans ta main, j'espère. Non, oui, c'est là tout le monde. Tu vas faire des trucs que mes frères du. Soit je vais te raconter l'histoire du vendeur de cercueil qui allait faire des trucs de chance pour vendre son cercueil. Je savais que tu allais faire cette tête-là. Bon, comme vous savez, dans tout commerce, il faut parfois essayer d'attirer la clientèle. Il faut essayer parfois de créer la concurrence et de voilà quoi. D'avoir quand même de quoi vendre. Donc, il y a un monsieur qui est allé voir un traduit pâtissier pour lui faire exactement un parfum de chance comme le gars vient de le raconter. Et ce parfum, il était censé l'asperger chaque matin quand il ouvre sa boutique sur le cercueil et devant la boutique. Donc, il vendait. Il a tellement vendu de cercueil qu'il a assez tout. Il a trouvé assez d'argent pour construire même une maison, une villa de R+3. Donc voilà quoi, ça partait. Et un jour, subitement, sa femme a accouché, une fille. Et la fille est née avec des boutons sur le corps. Je ne sais pas si chez vous au Cameroun, vous avez certaines calebasses qui ont des petits boutons sur le corps. Chez nous, c'est des calebasses sacrées. Et c'est ça quand on peut envoyer des maladies comme les bouboules sur le corps. Quoi. L'enfant était venu au monde avec ses chansons boutons, des taches noires de partout. Donc, il avait paniqué, il ne savait pas quoi faire, il ne savait pas quoi dire. Donc, du coup, il a son cousin qui lui a dit, mais écoute, nous sommes en Afrique, hein, nous sommes au Bénin. Si tu as un enfant qui naît comme ça, le mieux c'est de chercher pourquoi. Parce que moi, je ne pense pas que c'est quelque chose de naturel. C'est comme ça qu'il a dit, il a donné l'argent au gars, il dit, ok, va vérifier et tu me dis ce que tu trouves. Entre-temps, le parfum qu'on lui a fait, le parfum était fabriqué à base de, tu sais, et dans les morgues, il y a certaines personnes qui ont quand même le cœur de soutirer l'eau des cadavres. Donc, c'est avec l'eau qu'on a soutiré d'un cadavre qu'on lui faisait le parfum. Et lui ne savait pas. Donc, normalement, c'est pas un truc qui est censé être mangé, c'est pas un truc qui se consomme, et c'est pas un truc qui doit normalement mettre sur le corps. Tu vois? Donc, quand sa femme est tombée enceinte, la femme venait souvent à la boutique et elle, et voilà quoi, elle prend une natte, elle se couche par terre, dans la boutique. Elle est relâche, quoi, elle est habituée avec les cercueils. Donc, du coup, elle avait attrapé ce truc-là. Et quand son cousin allait faire la consultation, il est revenu pour lui dire que ah, j'ai fait la consultation, mais les nouvelles ne sont pas bonnes. Il lui a demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Il paraît que tu as fait quelque chose de mystique et que tu as offrant les lois, les règles de ce truc-là. Et ça va te coûter beaucoup cher. Et il lui a dit la mauvaise nouvelle,
que je peux t'annoncer, c'est que cet enfant ne va pas survivre. Donc, il s'est précipité avec le cousin, ils sont retournés chez le consultant qui a fait la consultation. Ils ont commencé par prier ensemble. Et à sa grande surprise, la règle qu'il avait enfoncée, c'est qu'il avait couché avec sa femme à cette boutique-là et c'est cette grossesse-là. Tu t'imagines un peu, quelque part où on vend des cercueils, il y en a qui ont le cœur de l'amour, au calme, comme si c'était dans un hôtel à 5 étoiles. Donc, il a demandé au monsieur quelle était la possibilité de sauver quand même la vie de l'enfant, parce que lui, il voulait cet enfant à tout prix. Le monsieur lui dit, moi, je ne peux rien pour toi. Il va falloir que tu retournes voir celui qui t'avait fait le médicament. Et il dit au monsieur qu'il allait faire le médicament au Nigeria. Donc après, ils ont quand même fait les démarches, ils ont quitté l'hôpital, l'enfant allait un peu bien, donc il a profité et il s'est rendu au Nigeria. Et une fois là-bas, il explique le problème à celui qui avait fait le médicament, le parfum. Et celui-ci lui dit, ah, si tu as un enfant qui est né avec ces trucs sur le corps, c'est que les esprits qui te convoient, la clientèle vers toi, sont fâchés. Et si on doit sauver l'enfant, c'est qu'il y a quelque chose, tu dois offrir 3 cercueils à 3 membres de ta famille. Donc, DMG, tu t'imagines, tu as un oncle qui veut un cercueil. Et un jour, il décide de t'offrir un cercueil, quoi. C'est ça le problème. Il demande au marabout, mais il faut qu'il meure. Il lui dit non. Les gens qui sont vivants, tu les offres des cercueils en guise de cadeau. Mais qu'est-ce qui est normal d'offrir un cercueil à quelqu'un qui est vivant? C'est pas comme si la personne est malade, hein. Tu prends un cercueil, tu vas lui offrir. C'était la seule condition qu'il devait accomplir pour que son enfant suive. Maintenant, restait à savoir comment il allait offrir le cercueil. Donc, il est retourné avec son cousin. Ils ont commencé par réfléchir, ils ont commencé par réfléchir et tout. Et comme tu sais, lui, il est à Cotonou. Donc, il a de ses vieux oncles au village, à côté, par exemple, le père de son cousin avec qui il faisait la navette. Il demande à son cousin, pourquoi on n'offre pas le premier cercueil à ton père? Puisque ton père est déjà vieux, il est déjà il a déjà entre 90 et 92, on peut bien lui offrir un cercueil. Et l'autre dit, jamais, je n'offre pas un cercueil à mon père. Donc, entre eux, ça devenait une dispute. Et comme l'autre, il ne voulait pas, le lendemain, il a pris la route, il s'est rendu au village et il allait raconter à son père. Que il se pourrait que telle personne offre des cercueils aux gens dans le village et qu'il ne faudrait pas qu'on le lui permette. L'erreur qu'il avait faite, c'est qu'il devait pas dire. Parce que le force d'avoir été dit au village que son cousin devait amener les cercueils, après qu'à son retour, il a décédé du village. À son retour du village, il a fait un accident, après il a décédé sur le champ. Et immédiatement, quand des inconnus, parce qu'ils avaient appelé la voirie pour venir chercher le corps, mais la voirie n'était pas venue. Encore. Il y a des personnes au milieu, vu qu'on ne savait pas vraiment c'était qui, d'où il venait et tout. Bon, chez nous, quand tu meurs comme ça, accidentellement, on essaye quand même d'enterrer d'abord le corps et après on fait ce qu'il faut. Il s'est retrouvé sur un camion, hein. C'est pas que le camion qui est venu le cogner, hein, mais c'est lui plutôt qui a cogné le camion. Tu t'imagines quelqu'un qui a une moto et qui va cogner un camion? Donc, ils ont essayé d'abord de rapatrier le corps sur Cotonou. Et ils ont cherché la famille, ils n'ont pas trouvé. Et celui qui a quand même pris le devant a dit, OK, si c'est ça, on paye un cercueil et on met le corps dedans. Et on va quand même déjà aller à la morgue pour voir comment on peut faire. Parce qu'on ne peut pas continuer à trimballer un corps qui est complètement fragilisé, comme ça, dans la voiture. Et demande où est-ce qu'ils sont venus payer le cercueil. C'est son autre cousin. Et donc, le cercueil, c'est celui qui est en train de payer le cercueil qui lui dit, ah, on a ramassé un corps sans vie qui a été avec un camion. Le chauffeur avec qui il a fait le choc, le chauffeur a fui parce que le chauffeur ne savait même pas que quelqu'un rentrait derrière, pas derrière avec moto. Donc le chauffeur est parti. Et comme on ne connaît pas à qui appartient, de quelle famille il est, on va prendre un cercueil, on met le corps dedans et après on envoie à la morgue. Et la morgue va essayer de chercher les familles, les proches, et ils vont les contacter. Et lui, par curiosité, il dit, mais c'est qui cette personne? Et le gars prend, il lui montre une photo du visage de la personne, et il met la main sur la tête.
l'erreur fatale qu'il ne devait pas commettre aussi. En fait, il ne devait pas surtout être étonné du décès de son cousin, puisque lui, il était allé détruire le plan. Donc, il a commencé par, c'est là, il dit, mais je le connais, c'est mon cousin, c'est, voilà, c'est mon neveu. Il a parlé, il a dit tout ce qu'il avait à dire et tout, il a passé les coups de fil et tout. Ceux qui devaient descendre du village sont descendus et ils ont dit, mais pourtant, il venait de quitter le village. C'est là, il dit, mais il est venu chercher quoi au village? C'est là qu'on lui informe qu'il était venu informer son père que lui, il était censé venir offrir 3 cercueils aux gens dans le village parce qu'il avait fait un rituel et que s'il ne remplissait pas cette formalité, qu'il risquait de perdre son nouveau-né. Bienvenue le dégât. Alors que c'était un truc qui était censé rester entre eux deux. Hein. Et voilà maintenant tout le lot de village qui commence à être informé de l'histoire. Ok, c'est pas grave. Bon, le pire est là. On laisse d'abord l'histoire de qu'est-ce que tu as fait pour vouloir offrir des cercueils. On cherche déjà à enterrer celui qui est décédé. Le même jour où ils sont en train d'aller au cimetière pour enterrer celui qui est mort accidentellement, lui-même, le vendeur de cercueils, d'accord, a fait un accident dans lequel il a cassé les 7 pieds. Il était coincé sur les pieds. C'est pas comme s'ils avaient déjà enterré le corps. Hein. Ils allaient au cimetière quand le truc lui est arrivé. Il avait perdu les freins et il est rentré dans un trottoir. Sur un carrefour. Une partie est partie pour enterrer le corps, une partie s'est occupée de lui à l'hôpital. Bon, ça allait de trop. Et là, maintenant, le père de son cousin qui est décédé lui dit, il faut que tu nous amènes là où tu allais faire ton rituel, pour qu'en tant qu'adulte, on essaye de voir quels sont les modalités dans lesquelles on peut arrêter ce spectacle. Ils sont repartis après qu'ils, bon, pas tout de suite, hein, ils ont attendu un peu qu'il se guérisse, qu'on lui mette des plâtres, qu'on coupe les jambes. Qu'on lui coupe les jambes qui étaient cassées parce qu'on ne pouvait pas remettre à sa place et tout. Donc, quand il allait un peu mieux, ils ont pris la voie de Nigeria. Et devine la suite, une fois là-bas, on les a informés que l'intéressé en question aussi était décédé. Et à son retour de là-bas, il avait narré un peu le problème à sa femme. Il a expliqué un peu à sa femme ce qui s'est passé, pourquoi tout ça est arrivé. Et donc, la femme lui a dit, OK, si c'est le cas, on va à l'église, on va prier, on va faire ci, on va faire ça, tu connais. Malgré qu'ils ont commencé l'église, 3 mois jour pour jour, lui-même en question, qui a raté l'accident, est décédé. Les 3 cercueils ont été distribués, mais de manière différente. Donc, c'est pour vous dire que quand vous allez parfois chercher des choses, regardez bien ce que vous cherchez. Moi, j'ai toujours dit, je ne peux pas faire un porte-bonheur à quelqu'un qui vend des cercueils, c'est impossible. Attends, il vend quoi? Un cercueil. Comment je peux faire un produit de chance à quelqu'un qui vend un cercueil? Ou bien quelqu'un qui travaille par exemple à l'hôpital me dit fais-moi un savon de chance. Et tu veux que je t'envoie quel genre de client? Des malades? Hein? Donc parfois, n'allez pas chercher certaines choses qui vont vous dépasser. Restez juste dans le norme de ce que vous pouvez faire. D'abord, au temps de nos ancêtres, on n'exposait pas les cercueils au bord des routes. C'était interdit. Un cercueil était construit que quand quelqu'un était décédé. Aujourd'hui, les cercueils, nous les voyons exposés. Et c'est ça qui crée aussi beaucoup de décès. Vous ne comprenez pas ça. Ça crée beaucoup de morts. Et si je vais vous donner un conseil ce soir, évitez de rencontrer un cercueil ou un corbillard quand vous sortez de chez vous, par exemple. Quand vous allez au boulot, quand vous allez à une manifestation, et que vous rencontrez en premier un corbillard, même si elle est vide. C'est pas du tout un bon signe. Pas du tout, pas du tout. Même que ça soit un cercueil vide. Évitez. Ou bien, vous retournez d'un enterrement, vous sortez d'une cimetière, et vous rencontrez en même temps un corbillard qui est en train de revenir avec un corps. C'est une façon de vous dire, vous allez revenir bientôt. Même si c'est pas vous, vous reviendrez encore dans ce cimetière avec quelqu'un dans pas longtemps. Dans la plupart du temps, chez nous, quand tu enterres quelqu'un comme ça dans un cimetière, on essaye quand même de voir s'il n'y a pas un autre corbillard qui vient. C'est-à-dire, on évite carrément de rencontrer un cadavre avant de repartir chez soi. Donc, c'était un peu l'histoire que je voulais vous raconter. C'est la femme de ce dernier hein, qui m'a largué l'histoire. Je voulais te la raconter depuis, mais j'étais un peu ce soir. Incroyable, mais vrai. Quelle histoire hors du commun. Si vous avez aimé, laissez la chaîne, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et activez la cloche. Vous pouvez partager cette vidéo sur vos amis et pour pas vous placer suite. De nouvelles choses arrivent sur... Bien sûr, bon, soyez prêts.